Bonjour les amis, les viewers, qui que vous soyez, soyez les bienvenus sur Farming Simulator 2015. Donc j'espère que vous êtes ravis de me retrouver aujourd'hui, car moi, ça va super. Et j'espère en tout cas aussi que vous passez d'agréables super fêtes, les amis, en ce 2014. Voilà, donc aujourd'hui les amis, nous on va continuer un petit peu ce qu'on avait commencé précédemment, si vous vous souvenez, la moisson de notre colza qui avait poussé bien comme il faut. Alors, par contre, on va virer cet arbre de Noël parce que Noël est passé, ça y est les amis. Oui, je sais, je suis un peu rapide. Je vire vite ce qui ne sert plus. Et oui, ce que Noël est bel et bien passé. Donc maintenant, nous pouvons attaquer un petit peu autre chose que toujours les mêmes choses. Je pense que vous vous en doutez. C'est tout à fait logique. Alors, est-ce qu'on peut accéder directement à l'arbre de Noël depuis ici? Oui. Alors, on va le vendre, voilà, je pense que c'est comme ça. Voilà, oui, c'est celui-ci. Merci, au revoir. Voilà, on fait très simple, hein, je pense que vous vous en doutez. C'est bien plus simple. Ah non, mais oui, d'accord, parce qu'il y en avait encore. Ok, d'accord. Je n'avais placé où? Ah ouais, non mais... ouais, d'accord, j'en avais placé un peu de partout, si vous vous souvenez. Je l'avais placé un peu vers le garage, un peu vers les points de vente. Et ça, je ne savais plus. quelle erreur j'ai faite de les placer un peu de partout. Ah, voilà. Donc, il y en avait un là. Oui, mais j'aimerais que tu me l'enlèves, s'il te plaît. Merci. Oui. Ah, voilà. C'est bon. Parfait. Et non, il ne veut pas. Si, c'est bon. Il a voulu l'enlever. Donc, c'est parfait. On a... Ah, mais il y en a encore un. oui. Oh, putain. Mais je l'avais placé de partout, en fait. Je suis en train de regarder. Mais quelle erreur j'ai faite, mais quelle erreur. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave, c'était vraiment juste pour la période de Noël, les amis, je sais. C'est un peu précoce, vous allez me dire. Oui, c'est tout à fait ça. Putain, j'ai ma souris, par contre, qui passe sur l'autre écran, c'est très désagréable. Bon, vous savez quoi? On l'enlèvera quand on sera vers le magasin, directement. Ce sera bien plus rapide. Donc, on a maintenant 9037 euros. Qu'est-ce qu'on va faire avec 9037 euros? Eh ben, j'en sais rien. Pour le moment, les amis, on n'a pas besoin d'animaux parce que, bon, on a pas mal de choses encore à faire, comme la moisson, récupérer ce qu'on a, et puis vice-versa. Alors, est-ce qu'on peut l'activer? Oui. D'accord, ok. Et j'avais un problème, c'était au niveau de ceci. J'avais pas réussi à régler comme il faut. Ça coupe pas. Je déconne là. Activer, non, ça ne va pas. Ah si, ça a coupé, ça a coupé, ça a coupé les amis. C'est moi qui étais un peu brutal. D'accord, parce que la barre de coupe n'est pas super grande. Ok, ouais, ok, d'accord, bon. C'est vrai qu'on n'a pas une super grande barre de coupe. Et à mon avis, les amis, on n'a vraiment pas les moyens d'acheter une grosse barre de coupe. Et surtout, vu la longueur du champ qu'on a à faire, ça va être assez long, très long même, je dirais. Alors, ce que je vous propose, c'est pas de le faire en acte. Enfin, si, peut-être en accélérer vraiment pour pouvoir dire deux, que ce soit pas trop long. Après, ça va peut-être vous embêter un petit peu si je le fais en accéléré, parce que je sais que vous aimez bien quand c'est fait en mode classique, normal même, je dirais. Je sais, ça c'est... Tout le monde aime faire quand c'est en mode normal. Après, pourquoi pas le faire un peu en vue intérieure, ça change de toujours en vue extérieure. Moi, j'aime pas trop en vue intérieure, c'est vrai. Mais bon, pourquoi pas changer. Et une fois de temps en temps, c'est vrai que ça change un petit peu au niveau du thème. Un niveau un petit peu du gameplay, de la vue. Bon, c'est vrai que le gameplay en lui-même reste le même. Mais ça change quand même quelques points au niveau de la vue. Voilà, c'est plus intéressant. C'est un peu plus réaliste, bien sûr, je tiens à le dire. Mais c'est pas non plus super, super, quoi. Bon, bien sûr, j'ai fait une sacrée chute d'FPS, je le reconnais.
Dès qu'on passe au bien intérieur, broum, la FPS chute. De toute façon, je compte changer de PC aussi, parce que il arrive en fin de vie. Mais il a 2 ans maintenant, le pauvre, il est fatigué. C'est un très vieux ordinateur, je le sais. Maintenant, je pense qu'il a besoin de laisser place à un confrère beaucoup plus récent et beaucoup plus puissant que lui. Puis de toute façon, j'ai envie aussi un petit peu de m'investir un petit peu au niveau de ma chaîne YouTube. Pour moi, ce qui me semble très important, de pouvoir vous présenter des gameplays, des jeux beaucoup plus stables et beaucoup plus jolis. Surtout que je compte quand même faire du Far Cry 4. Je sais pas s'il est sur PC, je n'en sais rien du tout. Mais après avoir joué, forte demande au point de vente. Ah oui, merde! Putain, faut qu'on baisse le temps. Comment faire? S'il vous plaît. Le temps. Voilà. Ouf. J'avais oublié que j'avais le temps en x120. Putain, quelle erreur j'ai faite d'avoir laissé le temps en x120. Putain, j'avais carrément oublié ceci. Alors j'espère que ça m'a pas foiré la ça m'a pas tout fané du moins. Bon là actuellement non, ça m'a rien foiré du tout. Donc, tant mieux, quoique que ça m'a pas foiré ça parce que ça m'embête un peu. Par contre je n'ai pas vu qu'est-ce qu'il demandait en fort point de vente. Bien sûr, c'est un peu dommage, j'ai pas vu ça, c'est pas grave. Par contre j'ai remarqué quelques trucs et les amis, on vient de regarder au niveau des compteurs du tracteur. C'est vachement réaliste au niveau de ça, avec le petit écran qui nous donne le nombre de tonnes qu'on a dans la moisson. Et ça, c'est plutôt vachement bien. Bien sûr, même si on a le petit truc en bas à droite où il y a les kilomètres heure, ça fait très joli aussi, je le reconnais. C'est vrai que c'est pas vilain, mais j'aime bien ces petites fonctionnalités qu'ils ont rajoutées. C'est bien dommage par contre qu'on ne peut pas retirer ceci en bas à droite, là, le petit truc. Après, c'est pas grave. Ça fait un petit plus, voilà. Après, bon, on peut pas toujours se plaindre non plus. Mais on a ce qu'on a. Et ça, je dis bravo pour ce jeu qu'ils ont fait quand même quelque chose de joli pour un 2015. Maintenant, ce que j'attends un petit peu plus, c'est de Road Truck Simulator 2. J'attends quand même un petit peu plus d'amélioration, surtout qu'ils en ont fait pas mal depuis la mise à jour 1.15, surtout au niveau aussi du multiplayer qui a été amélioré. Et j'ai retrouvé quelques petits points qui ont changé au niveau de ce jeu. C'est certaines sonorités au niveau des camions, dont le Scania qui est flagrante. Le Scania, ils ont changé le bruit moteur qui est vachement réaliste. Après, est-ce que c'est peut-être un truc qu'ils ont ajouté, ou moi j'ai fait quelque chose et ça a changé le bruit, j'en sais rien. Je pense pas, ça m'étonnerait très fort. Donc je pense que c'est général pour tout le monde. Tant mieux même, je dirais, parce que ça fait du bien un petit peu d'avoir des nouveaux sons. Voilà. Après, voilà, c'est toujours intéressant. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau des amis, pour la configuration de mon PC, je vous avais dit que je voulais le changer, ça fait un petit moment. Alors j'attends un petit peu mon salaire de ce mois-là, qui devrait pas tarder, je le veux. Et donc c'est vrai que je compte pas y mettre des masses non plus, parce que il y a des PC maintenant qui sont de très bonnes config et qui sont vraiment pas chers du tout. Voilà. Après, pour tout ce qui est micro, qualité sonore de mon micro, je vais essayer de garder les mêmes. Je vais acheter une petite bonnette pour mon micro sur pied qui a un son vraiment extrêmement dégueulasse. Et je me suis demandé si ça vient pas de ma carte son au fil du temps, parce que j'ai peut-être pas une carte son qui supporte ceci. De toute façon, je compte peut-être aussi avec le temps, bien sûr, investir dans une préampli, une table de mixage pour améliorer un petit peu la qualité sonore. Même si je sais que la table de mixage ne améliore pas excessivement grand chose, mais ça peut me permettre éventuellement, m'avait expliqué un petit peu, que on pouvait un petit peu toucher les réglages du micro, et ça c'est plutôt bien. Parce que ça permet un petit peu de changer cette qualité micro. Surtout que là, j'utilise le micro de mon G430 de chez Logitech, qui est un très très bon casque, hein, avec une qualité sonore de 7.1. Donc, vous voyez, c'est un très 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 bon casque au modeste prix de 70€. Vous voyez, donc vous avez un très bon casque gamer pour 70€. Et ça, je dis que c'est bien parce que beaucoup n'ont pas les moyens de s'acheter des casques à des prix extrêmement élevés, et celui-ci accomplit très très bien son travail de gaming
au niveau de la qualité sonore en 7.1. Et franchement, pour ma part, je suis pas déçu de ce casque. Je l'utilise maintenant et je vous dis franchement, pour ceux qui ne l'ont pas, on a vraiment le son très très bien réparti au niveau de la virtualisation. Elle est très très bien répartie au niveau de ça. Franchement, on a l'impression vraiment d'avoir le home cinéma à côté de soi. On a l'impression que le son vient un peu de partout, voire même qu'il fait tout le tour de votre visage. Et c'est ça l'avantage du 7.1, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un son vraiment hyper immense, voire un peu assez bien réparti dans une pièce complète. C'est vrai qu'il y a aussi une très très bonne insonorisation, anti-sonorisation externe, ou alors où vous n'avez pas le bruit extérieur. Et ça, franchement, moi j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là, parce que j'ai fait l'essai un petit peu au niveau de la sonorité de l'extérieur, et je m'en plains pas, hein, personnellement, sur ça, il est pas dégueulasse du tout. C'est juste le micro, par contre, voilà, qui est vraiment extrêmement dégueulasse. Et pour tous ceux qui utilisent ce casque-là et qui veulent faire du face commentary, ou du commentary, du moins, excusez-moi, en voix off, je vous conseillerais d'utiliser Audacity derrière pour essayer de rajouter un peu plus de grave et d'aigu. Un peu plus de grave surtout, parce que les aigus, il y en a déjà beaucoup trop. Et rajouter un peu plus de grave, parce que il en a pas du tout. Alors ça, par contre, c'était un gros bémol sur ce casque. Après, est-ce que ça vient de ma carte son? Je ne pense pas, parce que j'ai fait pas mal de recherches sur YouTube, et beaucoup ont ce problème avec ce casque, en disant qu'il a un son micro complètement à chier, voire trop aigu. Et ça, c'est bien dommage, parce que il a une très bonne qualité sonore, et c'est ce petit bémol là qui casse le délire de ce casque. Après, voilà, quoi, on peut pas toujours, comme je dis toujours et souvent, on ne peut pas se plaindre. Voilà, faut qu'on se contente de ce qu'on a et pas de ce qu'on n'a pas. Voilà, c'est vrai que moi je m'en plains pas de ce côté-là. Sinon, pour changer de conversation, j'espère que vous passez de très bonnes fêtes, que le Père Noël vous a gâté, qu'il soit pas resté coincé dans la cheminée. C'est ça, j'adore le Père Noël coincé dans la cheminée. Personnellement, pour moi, il est bien passé. J'en suis très ravi. Je suis super content de ce qui m'a ramené, même si je n'y crois pas. Je vais pas cacher le plaisir de ceux qui y croient encore, de ceux qui y croient surtout, parce que le Père Noël, voilà, ça reste le Père Noël. Voilà, hein, on va pas casser ce délire ni gâcher le plaisir. Voilà. Donc c'est vrai que j'espère qu'il sera passé chez vous et qu'il vous a ramené plein de belles choses que vous attendiez vraiment, vous avez voulu et que vous avez eu, et que vous en êtes ravis, et que les fêtes se passent à merveille pour vous. Nous sommes bientôt au niveau du jour de l'an, dans quelques jours. Alors je pense, les amis, vous faire une vidéo spéciale pour le jour de l'an. Alors quoi comme vidéo, je ne sais pas. Sur quel jeu, je ne sais pas, parce que je ne pense pas que ça sera fait sur un jeu. Je vais peut-être faire une vidéo comme ça, hors jeu, juste une vidéo capture avec ma caméra, et vous présenter un petit peu, vous parler un petit peu, certainement de la future, du futur de ma chaîne, ou alors vous parler un petit peu de moi. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, parce que je n'ai pas encore le programme vraiment de ce que je vais faire. Je y pense, hein, je dis pas, je y pense énormément, mais c'est vrai que je ne sais pas encore. Voilà, vous allez me dire, mais tu penses pas beaucoup un petit peu à ce que tu vas faire pour ta prochaine vidéo, ou pour ce que tu vas faire? Oui, je sais, pour la prochaine vidéo, certainement déjà la future chaîne, vidéo qui va sortir, ce sera du Sims 4, parce que j'ai envie de faire aussi du Sims 4. J'essaie d'être assez varié. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait un Euro Truck, après un Farming, et ensuite un Sims 4, et vice versa, ou des fois j'inverse un petit peu. Mais ça dépend aussi de moi. C'est moi, en fait, je change beaucoup à ce niveau-là. Alors par contre, est-ce qu'on a un système de vitesse au niveau des touches? Parce que là, franchement, je vous dis franchement, ça me gaffe. Est-ce que je peux configurer mes touches? Non, ce n'est pas par là. Merde. Alors là, mon avis, les amis, je vais être obligé de quitter le jeu, en quelque sorte, pour pouvoir... Non, bah, vous savez quoi? Non, je vais pas quitter le jeu. Ça m'embête un petit peu. Parce qu'elle va mettre 10 plombs pour charger la map. Et configurer les touches maintenant, ça m'embêterait un petit peu. Voilà. Après, j'aurais pu le faire avec vous, hein, bien sûr. Mais ça risque d'être long. Voilà, ça risque d'être très très long, et je n'ai pas excessivement d'idées
Je ne sais pas. Ça va être très long. C'est vrai que je suis très nul au niveau de la configuration des touches sur ce jeu. Parce que c'est vrai que je suis pas très fort en méthode d'agriculture. Je connais pas trop un peu les fonctionnalités. Certes, j'arrive à jouer au jeu, c'est déjà énorme. Parce que déjà j'arrive à jouer au jeu parce que c'est pas compliqué non plus, hein, faut dire. Mais c'est les touches, elles sont vraiment très très variées. Il y en a un peu de partout. C'est assez complexe à ce niveau-là. Bon, il est 8h57 du matin, les amis. On est en train de moissonner. Comme des dégueulasses. Quoique, en vue intérieure, on moissonne pas si mal. Hein. Regardez. On moissonne pas si mal du tout, même. Ça, par contre, c'est plutôt bien. Je sais pas si on va pas coller un ouvrier, les amis, parce que là. Voilà, allez, hop, on colle un ouvrier. D'accord. Comment on saute du tracteur? Comme ça, voilà. Moi, je me tire, hein, les amis, j'en ai un peu marre. Ah, si, ça a fané, regardez ici. Merde. C'est bien dommage. Malheureusement. Ah, par contre, vous voyez, quand c'est lui qui moissonne, il met du plomb. Voilà. Et ça, c'est chiant. Putain, pourquoi il accélère pas le con? Il peut pas aller plus vite? Plus vite, plus vite. Non, tu veux pas? Bon, tu veux envie de faire de tension, tant pis pour toi. Putain, par contre, j'ai les fils qui s'accrochent dans le bordel. C'est très très chiant. Alors, est-ce que j'avais pas une touche configurée spéciale pour pouvoir changer de tracteur? Non. Non. D'accord, ok, ça m'aide pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Eh oui, on avait notre tracteur ici, faut pas l'oublier lui. Qu'on avait acheté, c'était le New Holland. Et bon, on avait acheté une New Holland, si vous vous souvenez les amis, la dernière fois. Qui nous est bien utile, quand même, pour ce qu'on a chargé l'autre jour. On a pu bien revendre tout ce qu'on avait. Par contre, vous voyez, c'est les copeaux, les amis. Je n'ai pas la machine pour pouvoir récupérer les copeaux. Ça, c'est bien dommage. Bon, après, c'est pas grave, hein. On va pas... voilà. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a entre copeaux de bois? On a 16 tonnes, 386. On peut même pas y revendre, quoi, en fait. D'accord. Ah merde. Le reste c'est tout fané. Bon, on a une grosse perte de notre matériel. Merde. Putain, ça c'est bien dommage. On va être obligé de tout replanter. Mais pourquoi alors là-bas ça a fané, les amis, et pas là? J'en sais rien. Bon bah on n'a plus qu'à prendre un cultivateur et tout enlever. Bon bah c'est pas grave. Alors. De toute façon, la moissonneuse n'est pas pleine. Alors, ça ne servait à rien de garder ceci. Alors, gros bémol sur ce tracteur-là, les amis, c'est qu'on ne peut pas ajouter de poids à l'avant. J'ai été un peu déçu quand je l'ai acheté. Sur le coup, je me suis dit, merde, on ne peut pas mettre de poids et tout. C'est quoi ce bordel? Eh ben non, on ne peut pas, malheureusement. Ce qui n'est pas conçu pour mettre un poids à l'avant. Ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas. Après, je me suis fait un peu piéger. C'est pas grave, c'est moi, c'est mon problème. Je fais souvent des conneries ces derniers temps, c'est ça, je pense que beaucoup s'en doutent. J'aimerais bien que tu... Merci. Ah, j'espère qu'il va pas lever, et si, et merde. Ça nous arrange pas. Merde, merde, merde. Est-ce qu'on peut pas le revendre directement? Ça est bien plus simple, vous savez quoi. On va le revendre, on va pas le garder. C'est pas la peine, de toute façon, on va pas s'en servir non plus. On peut même pas s'en servir, alors, vous savez quoi, on va le revendre, allez, vendre. 32 000, voilà. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 32 000, avec 40 000 maintenant? Tracteur, alors attendez, 51 000, 37 000. En gros, on peut acheter que des tracteurs de merde. Proprement dit, ce tracteur complètement, on va dire, daubé. On n'aurait jamais dû le revendre. On n'aurait jamais dû le revendre, les amis. Je suis un peu déçu. Merde. Eh ben écoutez, on n'a plus qu'à acheter celui-ci parce que de toute façon on peut même pas revendre ce qu'on a. Attendez, garage. Est-ce qu'on si on revend ça, est-ce qu'on peut s'acheter un tracteur beaucoup plus gros? Ben non, ça ferait que 44 000. Non, on n'a même pas assez pour acheter un tracteur plus gros. Merde, merde, merde. D'accord. Bon bah après le reste c'est des trucs qu'on a déjà. Pff, ah ouais, non, ben là je suis un peu déçu, on va dire. Ouais, si on achète ça, on pourra pas. On va le revendre, allez, vous savez quoi? Ça, on n'en a pas besoin non plus. Voilà, 45 000. 45 000 magasins. Et puis on va être obligé d'acheter cette poubelle de tracteur.
qu'on peut pas garder. De toute façon, on n'a pas les moyens d'en acheter un. Eh ben, tant pis, c'est pas grave. On va essayer d'aller là. On va aller le récupérer. Voilà, hop. Ce sera mieux que rien. Ce sera mieux que de ne pas avoir de tracteur tout. Ah bah oui, voilà, les amis. N'oublions pas le sapin qui est ici qu'il faut qu'on revende. Absolument, parce que là, on se fait chier avec depuis tout à l'heure. Et je sais qu'il est ici. Oui. On l'avait placé par là, si vous vous souvenez, la dernière fois. Voilà, il est là, regarde. Voilà, plus de sapin. Voilà. Mais on l'avait vendu, non? Ah, parce qu'il y en a encore un quelque part. Putain, mais j'en ai placé où, bordel? J'en ai placé un peu de partout de ces sapins. Oh, je suis incroyable. Moi, je suis infaisable. Je suis, on va dire, irrattrapable en quelque sorte. Ah, par contre, j'espère qu'on va pas se tromper de route. Bon, c'est mieux que rien, ce tracteur. Hein. Je pense qu'il fait bien son job. De toute façon, on n'a pas besoin d'un tracteur de fou furieux. Pour ce qu'on en fait, sincèrement, on s'en fout un petit peu. Ah, par contre, est-ce que c'est bien là? Champ 14. Et nous, c'est champ 16. Ouais, ça ressemble plus à ça. Oui. Non, champ 15. Alors, nous, non, il est plus là-bas. Ou alors, je ne sais plus. Là, je suis perdu, les amis. Aidez-moi. Help me, please. Attendez. Qu'est-ce que c'est le champ qu'on a, nous? Est-ce qu'on peut pas y voir là, non? Merde, c'est où, alors? Putain, comment on fait? Je suis un peu paumé. Au secours. Voilà, non. Ah, merde, on peut pas savoir. Non, mais ils sont sérieux? On peut pas savoir notre champ, où est-ce qu'il se trouve? Non, c'est pas possible. Si. Non, on peut pas. Merde. Ah, bah mince. Si, quand même. Voilà, champ 16, c'est bien ça, les amis. Je me suis pas trompé. Champ 16, alors. Si champ 16, excusez-moi. Et là. Le champ 14 est là, le champ 15 est de l'autre côté. Donc nous, si on redescend plus bas, le champ 16 est là. Voilà. Normalement, on ne devrait pas se tromper. Bah non, on s'est trompé. Le champ 16 est plus haut alors. Ou alors, il est plus là-bas à droite. Putain, mais on va y arriver. À force de tourner en rond, de toute façon, on finira bien par trouver le bon champ. Surtout que, vu la grandeur de ces champs... Ah bah si, c'est là, regardez. Est-ce qu'on a notre ouvrier qui est là? Regardez le champ 15. Regardez qui fait. Et regardez le champ 16. Franchement, les amis, le champ 16, il est immense. Hein, quand on est dessus. Mais qu'en fait, il est... Je passe... Le champ 16, il paraît immense quand on est dessus. Mais sur la map, il est mini, il est microscopique, il est tout petit, regardez. Il sert à rien. Et voilà, vous voyez. Alors, imaginez-vous quand même le champ 15, la grandeur qu'il a sur la map. Mais quand on est dessus, imaginez-vous le travail qu'il va nous demander. Mais ça va être énorme. Ça va être énorme. Et ça, je pense qu'on va bien se faire chier avec. Est-ce qu'on peut récupérer au moins un poids? J'espère que le poids il va pas être trop lourd par rapport au tracteur. J'espère, hein, je le dis, j'espère, parce que... ouais, attelé, s'il te plaît, merci. Ouais, bah, le poids, il est plus lourd que le tracteur, j'ai l'impression, regardez si je freine. Hop là, non, il a pas levé de l'arrière. D'habitude, il lève de l'arrière. Ça, c'est... c'est bien marrant, des fois, quand je le fais, quand ça m'arrive, regardez, hop. Non, ça marche pas. Ah merde, ça marche pas. Bon bah c'est bien dommage. D'habitude ça marche. Il lève de l'arrière comme ça, c'est énorme à ce niveau-là. Alors par contre, où est-ce qu'il en est notre moissonneuse? On va aller jeter un oeil. Ok, bon, on n'a plus qu'à virer l'ouvrier parce qu'il ne sert à rien. Il ne s'est fait que de la merde si on regarde bien. Regardez, nous en a oublié quoi. Putain. On oblige les ouvriers, ils nous font n'importe quoi. Mais bah quoi ça sert d'emboucher quelqu'un? Bah de toute façon on replantera du colza, c'est pas grave, on récupère. Ah non mais oh, constat, moi je descends, constat. Viens là. Il est parti. Parti, oh le con. Viens là. C'est juste énorme quoi. Je fais que des conneries ce soir. Allez, bah tant pis pour lui, hein. Il nous a rentré dedans. Et c'était pas prévu, hein, c'était pas prévu. Non, moi c'était constat les amis, oblige. Mais voilà, hein, il s'est barré, il nous a laissé en plan avec notre tracteur complètement abîmé. Bravo, quel con. J'adore quand même. Faut que j'arrête mes conneries, moi. C'est épique chez moi les conneries des fois, j'adore. Ça se maintient. Chaque jour, chaque minute.
Voilà, alors là, je impose la pause. Voilà, hein. Hop. Excusez-moi si je ne parle pas pour le moment. Je sais, c'est très silencieux. Voilà. Donc allez, c'est parti. Continuons notre moisson de colza. On a en tout 75%. Donc vous voyez, je pense pas qu'on aura les 100%. C'est bien dommage. On va récupérer les petits bouts qui restera pour pouvoir essayer de récupérer un maximum de ce qui reste. Hein. Parce que là, éventuellement, on n'aura pas grand-chose. Ou alors acheter une barre de coupe beaucoup plus grande. Ou un tout petit peu plus grande quand même. Je pense que là, on va acheter une barre de coupe, les amis. Hein. Tant pis pour la moissonneuse. Elle récoltera plus, déjà, par commencer. On fera moins de trajet. Je sais pas si on mettra moins de temps ou plus de temps, j'en sais rien. En tout cas, je sais que je suis sûr et certain qu'on récupérera plus. On moissonnera, on fera moins de... Ça sera peut-être beaucoup moins long. J'ai bien l'impression que ce sera beaucoup moins long. Parce que quand même, faut dire qu'on en récolte quand même pas mal. Mais je sais pas si sa barre de coupe elle est vraiment appropriée pour cette moissonneuse. Après, peut-être que si, parce que je pense qu'il y a des moissonneuses spéciales pour les grosses barres de coupe. Mais je pense qu'il doit y avoir différentes tailles au niveau des barres. Bon, c'est sûr que c'est pas la moissonneuse d'origine. Hein. Vous savez, la moissonneuse d'origine avec la toute buse où vous la dépliez, et vous pouvez pas mettre d'autres barres parce qu'elles sont pas plus grandes. Certes, celle-ci, c'est pas la plus petite barre de coupe, mais ce n'est pas la plus grande non plus. Est-ce qu'on est encore là-haut? Ouais, bon, bah, c'est quoi? Tant pis, on va laisser ce qu'il y a là-haut. Et puis, on va aller vider ceci. Voilà. On va aller vider ce qu'il y a là. Ah, j'avais pas clé ma remorque? Ah bon? Bon, bah, écoutez. Pour faire des conneries, je suis très fort. Des fois, je vous l'ai dit, moi, je suis roi de la connerie, des fois. Hop, bah, allez, vidons tout ça. Ça va être bien pratique. Parce que on va gagner du temps. Alors oui, vous avez vu les amis que je ne fais qu'une vidéo par jour parce que. Et je n'ai pas fait de ces derniers temps. Beaucoup. Parce que je n'ai pas énormément le temps. En plus demain je travaille. Donc là je vous en fais une encore. Je vais la monter ce soir. Mais elle sera postée que demain. Suite au temps. Parce que je n'ai pas non plus faire des vidéos. M'empêcher non plus d'aller travailler pour faire la vidéo. Vous savez tous que le travail est très important au jour d'aujourd'hui, ce qui nous permet de gagner un petit peu de notre vie. Je pense que beaucoup peuvent le comprendre, ceci, c'est la logique même. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre ceci. Hop. Alors moi sinon on va pas la ranger parce que vous savez qu'on va la réutiliser. Alors par contre, où est-ce qu'on l'accroche? Parce que je sais plus où est-ce que j'ai détaché. Ah bah là. Mais j'aurais voulu faire mieux. Eh bah non. Non, non, non. Alors, allez, atteler. Voilà. D'accord. Il faut vraiment que je trouve un système de vitesse là, sur le bouton du X là, quand je suis en tracteur. Parce que... Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va le faire tout de suite. Parce que moi ça me gave. Hop, sauvegarder. Et on va... quitter la partie, je suis désolé, on va faire ça ensemble, hein, directement, ça ira bien plus vite. Commande. Et alors, qu'est-ce que c'est? Parce que alors là, vous voyez, c'est ici que je suis un peu perdu, les amis. C'est cette histoire de régulateur de vitesse. J'arrive pas à comprendre. Alors, fonctionnalité de l'équipement. Vous voyez, voilà, par exemple, regardez, touche A, mais ça ne fait rien. Moi, ça ne me avance pas plus que ça. Et moi, j'aurais aimé avancer... tout en appuyant sur les touches. Meshing, station... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, on comprend pas trop... J'ai pas l'impression qu'il y a... J'ai pas l'impression qu'il y a la fonctionnalité accélération. Pourquoi? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors, passe au véhicule suivant. Accepter le menu, klaxonner, discuter, afficher, masquer le... Tic-tic. Agrandir la carte, consulter les finances, changer de direction, sélectionner l'équipement, vide à trimer, activer. Hein, hein. Voilà, vous voyez, on n'a pas... Putain, mais c'est... C'est où ces conneries? Manette, hein, on est d'accord. Hein. C'est manette. Hein. Voilà, hein. Si j'appuie, regardez. Hop, il me met en touche A, mais je ne comprends pas pourquoi
Je ne peux pas accélérer. Est-ce qu'il n'y a pas une touche ou une sélection de touches pour ça? Monter dans le véhicule, oui, d'accord, tout ça. Jusqu'à là, tout va bien. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas. Ça m'embête un petit peu, ceci. Parce que je voulais bien mettre, comme dans le Farming Simulator 2013, activer le régulateur de vitesse. C'est quoi le régulateur? Ah! D'accord. Bah non. Non, ça peut pas être possible, si, non. On va essayer, mettre la touche 3 encore. Hop, la touche A, voilà, hein, elle est déjà activée là et là. D'accord. Accepter l'élément du menu, d'accord, ok, bon. Vous savez quoi, on va essayer comme ça. Retour, est-ce qu'ils vont me dire, non, c'est bon. On va reprendre la carrière, les amis, voilà, on avait sauvegardé, donc. Bridge Hill, 8 876 euros. Oh, il est temps de jeu, 3 h 20 minutes. Facile, hein, toujours en facile, hein. On est le 26-12-2014. La date de sauvegarde, non, c'est l'heure et la date réelle. Non, l'heure réelle. Non, mais la date réelle, oui. On nous sommes bien le 26-12. Et nous sommes la veille du 27. C'est tout à fait logique. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ceci. Même les plus couillons comprendraient ça très très vite. Donc il y a des temps de chargement qui est très très long sur ce jeu. Et je suis en train de penser qu'en fait les amis, j'ai en fait fait une boulette. J'ai le mollet, c'est bien, c'est beau. Mais en fait, en y réfléchissant, en fait, j'ai changé carrément les textures du jeu. Alors maintenant, pour récupérer les textures d'origine de chaque terrain, comment vais-je faire? Et ben là, telle est la question, c'est comment on va faire? Je vais être obligé de reprendre encore un mode pour pouvoir récupérer la texture d'origine, ou alors reprendre depuis la base du jeu. Je crois qu'on peut éventuellement, je ne sais plus. Non, on va prendre celui-ci. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Non. Hein? Quoi? Ah, attendez. Hop. Ah, voilà. C'est bon. Non? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je ne peux pas? Non, mais... Ah, ok. G. Est-ce que je fais G? Non. 2. Non. En touche 4. Non. Ça fait rien? D'accord. Ah ok, d'accord, ok, j'ai compris les amis. Stop! Voilà, j'ai compris, c'est bon. On va pas sauvegarder parce que bon, on n'avait pas besoin. Voilà, ça y est, ça me revient. En fait, si, il y avait bel et bien une fonction, bah vraiment, il fallait le savoir. D'accord, avant c'était la touche 3, ça allait. Voilà. Hop, on va la virer, celle-ci qui ne sert strictement à rien. Et on va passer en vitesse d'équipement. 4, voilà, c'est bon, ça ira peut-être bien plus vite. Et on avait sélectionné la touche A. Oui, c'était pour sauter, donc ça, oui, d'accord. Accepter l'élément du menu, logique. Activer le régulateur de vitesse. Voilà, on va se faire sauter, ça, ceci. Ce qui ne sert strictement à rien. Voilà, l'option sauvegarde. On retourne dans le menu, en mode carrière, démarrer et chargement. Alors, bah, le temps du chargement, les amis, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit. Alors, débutez votre carrière dès maintenant et découvrez les différents secteurs d'activité d'un agriculteur moderne. Et oui, très sympa, j'avoue que sur ça, c'est très bien. Dans ce mode de jeu, vous êtes libre de choisir les tâches que vous voulez effectuer. Donc, ça veut dire qu'en gros, on est libre de faire ce qu'on a envie. Ça, c'est bien. Vous voulez acheter de nouveaux champs pour agrandir votre ferme? Voulez-vous un cheptel? Plus important, ou peut-être investir votre argent dans de nouvelles machines, c'est à vous de décider. Oh, il nous laisse le choix de décider ce qu'on veut acheter, ou même, ou alors agrandir notre ferme, ou faire même les deux. C'est même bien plus simple, parce que si on agrandit notre cheptel, automatiquement, on peut racheter du matériel plus gros. Parce que plus le cheptel est plus grand, plus il y a de champs, plus l'argent rentre, et plus on a de l'argent, et plus on peut acheter des véhicules. C'est logique. Voilà. Et vos talents et votre vigilance vous permettront de devenir rapidement l'un des agriculteurs les plus émérites du pays. Et oui, le pays de Wisbridge Hill, nous serons les agriculteurs les plus connus. Voilà. Et découvrir les plus... Sans plus attendre, le monde aux multiples facettes de l'agriculture. Voilà. Donc c'est bon, on a trouvé la fonctionnalité, les amis. J'espère que c'est ceci. Quoi? Non? Non? Mais c'est quoi cette merde? Ouais, eh ben. Oui. Putain, mais c'est quoi? Oh, ça va pas du tout.
Ah, ça me remet la bâche en fait quand je fais ça. D'accord, ok. Et si je fais ça. Ouais. Non, ça ne fait rien. Ok, bon. Vous savez quoi? Hein? Je pense que vous vous en doutez. Et pourquoi quand je passe comme ça, ça ne va pas? Je suis un peu sceptique. Ouais, non, ça va pas du tout, les amis. Ah, vous savez quoi, les amis? Je vais faire la configuration des... Allez, mort, voici, les amis. Donc, j'ai compris un petit peu la fonction. Cherchez pas à comprendre. C'est hyper compliqué. En fait, c'est vraiment... faut augmenter le régulateur à 43. J'ai compris, en fait, la fonction. Ça y est, ça me revient. Ouais, c'est vraiment très, très complexe à la fois. Mais il faut vraiment trouver, hein, en fait. Hein. Faut vraiment trouver. C'était sur le touche 3, la touche 2 de mon gamepad. De mon gamepad, non. Voilà, regardez, si je fais ça, hop, voilà, je l'active, je le désactive, je réactive. Voilà, et la touche 1 pour le diminuer. Et la touche 2 pour l'augmenter à 43. En fait, c'est le nombre de kilomètres heure que j'aimerais qu'il aille. Tout simplement. C'est con, mais c'est ça. En fait, ils ont fait, on va dire, pas complexe. Ils ont fait complexe. Ils ont fait très compliqué à la fois. C'est bien dommage parce que... sur ça, c'était pas comme dans le 13 où on avait directement les touches. On pouvait les configurer comme on voulait. Bon, bien sûr, ils ont réduit la fonctionnalité des touches pour en faire, pour en mettre plusieurs à la fois. Mais ça n'a pas servi à grand chose plus que ça. Alors, je vous propose qu'on mette la bâche aussi. Voilà. Sur la touche N de votre clavier. C'est logique, ça va tout seul. Alors, par contre, est-ce qu'on peut pas revendre ça ailleurs? Parce que là, en fait, si je suis en train de me regarder, ils me font monter à perpète. Ouais, d'accord, il me faut monter vraiment loin pour revendre ça. Donc, non, on fait demi-tour sec. Pourquoi je suis allé si loin? Ouh là là, par contre, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Non, mais attendez. Oh là là, je suis perdu ce soir, ça y est. Je suis un peu paumé. Où est-ce qu'on va pouvoir revendre ça? Non, pas là. Merde, alors. non, non, c'est la météo, machin. Ouais, mais non, mais moi, ça m'aide pas du tout. Sur échappe, est-ce que ça peut nous le dire un petit peu? Avant échappe, il nous disait plus de choses, non? Bon, bah écoutez, je ne sais plus, je me rappelle plus du tout comment on fait. Eh bah merde alors. Eh ouais. On nous sommes bien dans la caca, je le confirme. Oh! Je... Oh oh. J'ai trouvé la fonctionnalité, comment? Comment changer? Ouais, ça y est. merde. Oh putain, on va aller revendre ça où, mince? Mince, mince, mince. C'était à touche 9 il me semble pour pouvoir la carte en grand. Voilà. Nous on est là, la ferme est là. On va aller au plus près de la ferme, hein. Faut pas aller non plus à perpète les œillères. Ça sert à rien. On va revendre au plus proche. On va revendre ça au moulin à farine. J'espère qu'il va nous racheter le colza. Ah bon, normalement oui. Parce que je sais pas si c'était du colza qu'il nous rachetait ces derniers temps. Donc il va falloir qu'on longe et qu'on aille. Ouais, d'accord. Enfin, apprendre à gauche au bout. Allez. Tout au bout, à gauche, les amis. Je pense que de toute façon, il n'y a pas 36 millions de gauche au bout. Ça sera celle-ci. Parce que là, on nous sommes paumés. Bon, c'est vrai que je reconnais qu'on n'a pas fait excessivement grand-chose dans cet épisode d'aujourd'hui, à part de la moisson et de la revente. Voilà, on n'aura pas été très, très, très varié. C'est vrai, je le reconnais. Mais il faut dire aussi qu'on nous avons pas non plus énormément de véhicules. Faut dire, hein, on est très limité en achat de véhicules. Pour l'instant, on n'a pas les moyens d'acheter de plus gros véhicules. Mais bon, on y arrivera à en acheter des plus gros pour la prochaine fois. Je me fais pas de soucis pour ça. Ce que je souhaite juste, c'est quand j'aurai le nouvel ordinateur, que je ne perde pas toutes mes sauvegardes. Je suis obligé de faire certainement des sauvegardes de jeux depuis Steam. Parce que ça va être chaud grave. Sinon, si je perds tout, je vais être un peu embêté. Et ça me ferait plutôt chier. Surtout que je veux un PC vraiment pour faire tourner tous les jeux en ultra. Allez, bidon, tout ça. Oh, bah écoutez, on n'a pas gagné des masses. Je pensais avoir gagné plus. Bon, c'est pas grave, on va acheter une barre de coupe. Vous savez quoi? Combien elles sont élevées, les barres de coupe aussi? 32 000? 32 000, ça! Celle-ci? Et celle-ci, elle a 54 000? Mais c'est de l'arnaque! Mais c'est de l'arnaque! Garage, et combien il nous rachète la nôtre aussi, il faut dire. Il faut dire aussi combien il nous rachète notre barre de coupe. 16 000, alors vous voyez, son bras celle-ci, 16 000, ça fait 33 000. À peu près du 40 000, pas loin de 40 000, donc on n'a même pas assez pour acheter celle-là. Donc non, c'est tombé.
On va pas la revendre. On va la garder, hein, c'est pas grave. Ceci dit, nous les amis. Pourquoi j'ai fait ça? D'accord, ok. Oula. Bon, on va remonter les kilomètres heure. Voilà. Et activons ceci. Voilà. C'est parti. Bon, sur ce, les amis, je pense qu'on va le laisser là pour cet épisode d'aujourd'hui. Qui n'a pas été folichon, qui n'a pas été très varié, je le reconnais. C'est vrai que on n'a pas fait excessivement grand chose. Hein. Je reconnais qu'on n'a pas fait. Je pensais faire plus. Mais c'est vrai qu'au niveau du temps, on est très limité. Je pourrais faire des épisodes d'une heure sur ce jeu. Mais après, il faut avoir vraiment faut avoir de quoi faire. Que, surtout que nous, on n'a pas beaucoup de choses à faire entre moissonner et faire autre chose. Surtout qu'on n'a pas le matériel pour le bois. Voilà, pour le bois, on n'a pas le matériel. Et on n'a pas le matériel pour faire autre chose. On n'a pas 36 millions de champs non plus. Donc c'est vrai que c'est assez limité. Et puis ce jeu nous donne aussi... il nous limite aussi... me limite beaucoup sur le commentary, donc vous voyez, je vais pas vous faire des blancs durant pas mal d'épisodes, je vais pas vous faire des blancs voilà sur la vidéo en quelque sorte si vous préférez, parce que je vais chercher loin mes phrases, j'ai l'impression. Donc c'est vrai qu'on est très très limité. Voilà, sur ce, moi je vous dis les amis, à la prochaine, amusez-vous bien, merci de l'attention que vous avez porté à cette vidéo, je vous dis à la prochaine vidéo sur Farming Simulator 2015, j'espère qu'il vous aura plu et passez une très très bonne soirée et une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine, salut à tous. I'm